IST, journée de recherche du 10 au 12 juillet. Les recherches scientifiques et technologiques appuient au développement et à l'innovation et à la création d'emplois. C'est autour de ce thème que s'articule la troisième édition des journées de recherche qui a ouvert ses portes ce matin à Antananarivo. L'objectif principal est de présenter les résultats des recherches des enseignants-chercheurs au niveau des trois instituts supérieurs de technologie de Madagascar et des établissements supérieurs partenaires, selon les précisions apportées par le professeur Jean-Lalanara Koutoumalal, directeur IST à Antananarivo. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée de la présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement scientifique et de la Recherche scientifique. Je pense que le plaidoyer, entre guillemets, de Jean Larenne tout à l'heure, nous montre dans quel esprit, effectivement, se réalise cet esprit de développement durable, avec en premier lieu la synergie entre les différents acteurs, la mutualisation des moyens, mais également l'ouverture à l'international. Et dans ce sens, je pense que l'accompagnement fidèle que nous avons avec la coopération française, la UEF, nous montre très bien dans la mesure où le programme d'appui à la gouvernance de l'enseignement supérieur. Dans le contexte de la mondialisation, l'on ne peut se passer des partenariats avec l'extérieur. C'est pourquoi une convention a été faite entre l'IST Antananarivo et Antiranan avec l'Université des Mascarenes Maurice.